Pour assurer des soins de qualité dans les services d'urgence et de réanimation en République démocratique du Congo comme ailleurs, il est essentiel de disposer d'équipements médicaux fonctionnels qui sont utilisés et entretenus par des personnels formés. Dans le cadre de la réponse COVID-19, les ONG, UMATEM, Médecins sans vacances et ULB Coopération ont mis en œuvre le projet Jingamari FAD2. Il visait à renforcer l'équipement médical de 5 hôpitaux de référence du Nord et du Sud Kivu et améliorer leur capacité à les exploiter. 5 types d'activités ont été menées. Un colloque de sensibilisation pour les décideurs de santé, des formations pour les techniciens de maintenance biomédicale, des formations pour les personnels soignants, un appui à l'aménagement d'ateliers de maintenance et la production des tutoriels vidéo et autres outils ressources.